Sur ma dernière vidéo, j'ai eu une question. Comment ajouter une sous-page dans un onglet de page du menu? Je vais vous montrer comment ajouter ceci. Hop. Donc, je vais sur le dernier site qui n'a pas avancé depuis ma dernière vidéo. Alors, pour se voir le site. La connexion n'est pas top chez moi. Ici, tu as le menu. Donc tu cliques dessus et tu as ici en dessous gérer le menu qui apparaît. Donc par exemple, on va ajouter une sous-page à nos services. Ici, on va sur ajouter une page. On va choisir une page vierge. Hop, on va la nommer ajout. Donc on la place en dessous de nos services et on la décale sur la droite. Simplement. Et donc ensuite, on va hop, aller dans l'aperçu. Et donc quand on passe sur le menu, eh bien en dessous, on a la page ajout que nous venons d'ajouter. Donc je vais le refaire encore une fois. Donc cliquez sur le menu, gérer le menu, ajouter une page. Là, vous pouvez évidemment choisir ce que vous voulez, hein. Vous avez des templates qui sont très très bien faits. On va mettre de nouveau une page vierge. Ajout 2. On va la mettre par exemple en dessous de réserver. Donc en premier, elle se met comme ça. Vous cliquez dessus, vous la glissez sur la droite et ça fonctionne. Une deuxième solution est de cliquer sur les trois petits points ici et de définir comme sous-page. Ici, vous cliquez et elle se décale. Et voilà, il ne reste plus qu'à personnaliser votre sous-page. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je prendrai bientôt le temps d'ajouter du contenu à ce site et de vous montrer comment le personnaliser, en tout cas personnaliser le vôtre. Un peu plus, un peu tout court. Et comme ça, vous pourrez avancer sur vos sites aussi si vous n'avez pas pu le faire depuis ma dernière vidéo. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la page. À bientôt!